Les tensions diplomatiques entre les grandes puissances nucléaires ne cessent de s'accroître. Kim Jong-un a encore joué avec les feux d'artifice en tirant deux missiles de croisière en direction de la mer Jaune ce samedi et aussi deux missiles balistiques mercredi. Donc ça, c'est suite au passage d'un sous-marin américain donc qui s'est arrêté en Corée du Sud. Vous le savez, les deux pays sont des pays alliés et font souvent des exercices et notamment des exercices dans la mer. Donc suite à ça, la Corée du Nord a également averti que le déploiement de porte-avions, de bombardiers ou de sous-marins lance-missiles américains en Corée du Sud pourrait répondre aux critères de sa doctrine d'emploi des armes nucléaires. Donc encore une fois, on est sur la menace nucléaire, subhanallah, et c'est de pire en pire.